Bonjour à tous, c'est Tony Montana. Bon, dans cette petite vidéo, je vais vous montrer rapidement le jeu des Gaunes. Donc là, en l'occurrence, c'est un des camps, il y en a plusieurs. C'est un endroit où on peut acheter aussi bien ses armes que donner les trophées. Car quand on tue en fait un zombie, on obtient des petits trophées et on peut les échanger contre de l'argent, pratique pour acheter des munitions. On peut aussi transformer sa moto, ce qui est très pratique aussi. On peut augmenter la capacité du réservoir, changer le silencieux d'échappement pour faire moins de bruit. Bref, c'est un peu les camps, c'est un peu l'endroit où on peut se ravitailler un petit peu, modifier son équipement, refaire son stuff. Voilà. Donc c'est un endroit assez pratique. En l'occurrence, voilà, je vais faire les performances de la moto, le look, la peinture. Voilà, on peut aussi faire le plein ainsi que les réparations. Très pratique. Voilà, après vous n'êtes pas obligé de payer pour faire le plein. Vous pouvez trouver dans le monde des jerrycans de carburant pour pouvoir faire le plein. Mais bon, généralement, voilà, quand on est au camp, on fait le plein parce que les jerrycans, on n'en trouve pas partout. Voilà. Donc après voilà, moi c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Hein. Ceux qui ont joué à The Walking Dead, ceux qui ont vu pardon la série The Walking Dead, franchement c'est très 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 ressemblant je trouve. Donc voilà, après c'est la carte. Au début elle est un peu petite, mais en fait elle se débloque petit à petit. Voilà, donc ça c'est le désert. Ça c'est la forêt, c'est l'endroit où on commence au début. Et ça c'est la nouvelle partie que je viens de débloquer. Donc ouais, le monde c'est un open world et le monde est quand même assez grand. Donc voilà, après vous avez un système d'inventaire qui est plutôt bien fait. Ensuite, vous avez aussi un système de compétences qui est très intéressant, qui permet d'obtenir justement de nouvelles compétences, pouvoir tuer différemment, pouvoir être plus précis. Obtenir des compétences vraiment supplémentaires à son jeu, son personnage. Ensuite, voilà, vous avez aussi les scénarios en rapport avec vos missions. Voilà, donc après graphiquement, moi je trouve très bien fait. Vraiment, il est très bien fait, il est plutôt beau. La conduite de la moto, au début, c'est pas évident. Mais en fait, après, on prend vite le coup de main, en fait. On prend vite le coup de main de la moto. Et en fait, elle est assez maniable. Donc, vraiment, moi, j'ai bien aimé le jeu. Donc, après, c'est vraiment assez diversifié. Bon, là en l'occurrence, je me fais attaquer par des loups, enfin attaquer entre guillemets, parce que franchement, les loups étaient franchement très très gentils. D'habitude, les loups sont bien plus agressifs. Là, honnêtement, j'avoue que les loups étaient plutôt mous, voire même très dociles. On aurait presque dit des chiens, hein. Donc, ouais, quand vous tuez des animaux, vous pouvez récupérer la viande de manière à la vendre dans les camps, justement. Et quand vous tuez des zombies, en fait, quand vous passez sur les zombies, vous récupérez des espèces de petites cartes que vous allez pouvoir vendre comme un trophée. Donc ouais, comme chaque moment de facilité est accompagné d'un moment de galère. Donc les loups étaient faciles, mais l'ours ou le grizzly, hein, jamais vraiment fait la différence. Le grizzly, en l'occurrence, c'était beaucoup plus difficile. Je sortais d'une mission, donc j'étais pas ultra stuffé. Et du coup, j'ai bien galéré à le tuer. Et comme on peut voir, j'ai bien galéré à le tuer. Voilà, donc quand il y a une action comme ça, il faut spammer le bouton qui dise, donc soit croix, soit triangle, soit carré, soit rond.
de manière à se dégager. J'ai remarqué aussi l'ours ou le grizzly, il y a un truc qu'il aime pas, c'est le cocktail Molotov. J'ai l'impression que le feu, il aime pas du tout. D'ailleurs, en lançant mon cocktail, j'ai bien failli cramer. J'ai eu pas mal de chance. Mais ouais, le cocktail Molotov, ça me permet d'avoir un petit peu plus de temps. Notamment, on a ça comme compétence, de pouvoir ralentir un peu le temps qui permet d'augmenter la précision des tirs. C'est une compétence et franchement, j'avoue, elle est bien pratique à avoir. Donc là aussi, je récupère la viande, surtout de la viande d'ours. Alors dans le jeu, vous avez aussi des gens qui se retrouvent piégés, soit dans une maison, dans une voiture ou simplement attachés à un poteau avec des zombies qui veulent essayer de le bouffer. Et donc, vous avez le choix, vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez l'aider ou passer votre chemin. Mais si vous l'aidez, en fait, vous allez pouvoir l'envoyer dans un camp contre rémunération. Donc moi, sans pitié, en fait, c'est le camp qui rémunère. C'est pas lui, en l'occurrence, qui va me rémunérer, c'est le camp. Donc généralement, je choisis le camp qui paye le mieux. Donc voilà, après, j'ai choisi ce camp-là parce que il payait plus que les autres. C'est pour cette raison-là uniquement. Parce que avoir un grand cœur, c'est bien. Mais si j'ai pas de quoi m'équiper, c'est moins bien. Donc je vais chez celui qui paye le plus. Voilà, donc après, vous avez aussi les civils donc, qui se font piéger par les zombies. Mais vous avez aussi les civils méchants. En gros, des ennemis, quoi. Et j'ai envie de dire, c'est un peu plus intéressant parce que ils sont beaucoup plus imprévisibles que les zombies. Ce qui est logique. Bon, ça, c'est un enfant zombie. Voilà, donc là en l'occurrence il y a trois ennemis. Évidemment, j'étais pas hyper stuffé, j'y suis allé au pistolet. Donc quand j'ai pas la mitrailleuse, forcément c'est beaucoup moins précis. Avec un silencieux. Très pratique le silencieux. Donc là voilà, c'était bon, là on a croisé, en fait c'était pas vraiment enfin c'était des ennemis, mais ils étaient pas dans un camp, c'était des ennemis qui étaient en vadrouille un peu comme moi et que j'ai croisé et je les ai tués. Mais là en l'occurrence c'est un camp ennemi, et des camps ennemis il y en a pas mal du tout, il y en a vraiment beaucoup. Et les camps ennemis, ça peut aller d'un petit camp avec une tente où ils sont 3-4 au camp avec des baraquements où ils sont quasiment ouais, une vingtaine quoi, avec des snipers. Je précise parce que les snipers ils sont un peu difficiles, enfin ça dépend la stratégie. Après les zombies c'est un peu pareil, des fois tu peux en avoir un seul, des fois tu peux avoir un petit groupe de deux ou trois comme là, et des fois tu peux avoir une horde. On peut tuer aussi avec la moto. Mais je vais pas vous mentir, ça abîme beaucoup la moto. Donc voilà, là en l'occurrence c'est une horde. Donc quand tu tombes là-dessus, quand tu viens de faire une grosse mission et que t'as plus beaucoup de stuff, compliqué. Assez compliqué. Ouais, ils sont quand même très nombreux. Mais il y a plus nombreux que ça. Ouais, donc ça c'est la vision, on va dire la vision d'aigle. Ah là là, c'est une autre. Un autre. Une autre horde. Et là en l'occurrence, ils sont vraiment très nombreux. Donc voilà, je vais leur balancer un truc qui va les attirer. C'est un truc qui fait du bruit, une sorte de radio, qui permet de les attirer tous au même endroit. Alors c'est vrai qu'ils sont déjà groupés un petit peu, mais le problème c'est que si je me déplace, parce que je pourrais pas lancer un truc jusqu'à là-bas, donc si je me déplace, en gros, je vais être à découvert. Et là, je balance une petite grenade.
là où j'ai balancé la radio. Puis après, je vais envoyer d'autres trucs, en l'occurrence du cocktail Molotov. Parce que le cocktail Molotov, l'avantage c'est que ça coûte pas cher, hein. C'est juste une bouteille et de l'essence. Un truc que tu trouves à peu près partout dans le jeu, donc c'est très pratique. Et comme on peut voir, ça fait quand même du cadavre, hein, le cocktail. Voilà, après en haut, vous avez une jauge rouge qui permet de voir le nombre de survivants dans la horde. En gros, dans combien de temps j'aurais tué la horde. Enfin, combien il en reste, en fait, dans la horde. Histoire de pas me barrer si jamais je vois que il en reste plus beaucoup quoi. Mais là en l'occurrence j'ai pas pu la finir la horde. J'avais pas assez de stuff. Et là m'attaquer à eux avec ce que j'avais, c'était chaud. Voilà, donc graphiquement, j'aime bien. J'ai beaucoup aimé le jeu. Franchement, très très bien. Vraiment très très bien. Après, je vais vous laisser sur ce gameplay. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire ou vous abonner. Voilà. Merci à vous et bon game. Allez, salut.